Salut les amis, c'est Dakei, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Xbox One, on est sur Sea of Thieves et je suis solo. On va pas partir sur un galion, on va partir sur un sloop. On va naviguer sur un petit bateau plus fragile, mais on va être en solo. Alors on peut soit faire équipage avec une autre personne, je pense qu'on peut être 2 ou 4, je sais pas combien exactement, sur un sloop. 4 à mon avis, mais ouais, je vais partir en solo, partez en solitaire pour un voyage dangereux. On est parti, on va se lancer. Alors il y a un petit temps de chargement qui dure même pas 2 minutes, hein, tranquillement, mais après on est tranquille. Alors là je vois qu'il y a 4 places à bord, donc ça doit être ça. Alors est-ce qu'on peut changer de... on peut lever l'ancre, faire retour, changer de compte et paramètres. On a quoi dans paramètres? On va découvrir ça ensemble. J'ai fait un petit live rapido sur Twitch récemment sur ce jeu. J'avais un peu galéré tout simplement parce que je ne trouvais pas exactement, je ne savais pas comment trouver les trésors. Moi j'avais fait la bêta, la première, enfin c'était même pas la bêta, je crois que c'était l'alpha, parce que j'étais insider avec Sea of Thieves sur Xbox. J'avais fait l'alpha, j'avais fait la première bêta, il me semble que c'était ça, c'était la première bêta. Et ensuite, j'ai pas pu faire la bêta finale, puisque je n'étais pas disponible physiquement, on va dire ça comme ça. Bah, j'avais pas la Xbox ou ni le PC à proximité au moment du week-end, enfin des deux week-ends de cette bêta. Donc du coup, moi j'ai fait la bêta et l'alpha en anglais. J'ai joué avec des gens qui eux allaient directement sur les îles, prenaient les trésors. On faisait beaucoup de fights, on s'amusait avec des gens qui me mettaient en prison, etc. Rappelez-vous la vidéo découverte de la bêta, elle est sur la chaîne si jamais vous mettez Dalkaï découverte Sea of Thieves et vous allez la trouver. Voilà. Ici, on va partir sur le jeu final. Alors, jeu qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup critiqué. Clairement. J'ai beaucoup vu des discords par rapport à ça sur Twitter. Moi, j'ai une chose à dire par rapport à ça, je serai clair là-dessus. C'est vraiment un très, 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 très bon jeu. Pourquoi? Je m'explique. Beaucoup vont me dire, oui, le jeu d'Alcaï est bien, mais c'est redondant. Tous les jeux sont redondants. Que vous preniez, un FPS, un shooter, c'est redondant, faut faire la même chose. Que vous preniez un Battle Royale, peu importe lequel, c'est redondant, faut toujours faire la même chose. Sea of Thieves, c'est pareil, sauf que là, vous pouvez jouer avec vos potes, vous n'êtes pas obligé de faire les quêtes. Vous avez plein de choses qui peuvent se passer aléatoirement. Je vais pas vous spoil, mais il y a des trucs qui arrivent, qui sont vraiment assez extraordinaires. Moi, je suis tombé sur ça, sur un live une fois. Ça commence par K et ça finit... Enfin, ça commence par K et ça finit par Ken. Voilà. Je vous ai spoil, mais c'est pas grave. On n'aura peut-être pas l'occasion de le voir. Ici, on peut aller au shop. Hein, on peut demander à Tasha de nous remplir notre verre. Allez, vas-y, on remplit la shop. On va se boire une petite shop de... Comment ils appellent ça, déjà? Ouais, moi, je suis pas spécialiste en alcool. C'est du... Bon, je sais pas. Allez, on va boire la shop complète. Allez, un cul sec, cul sec, cul sec, cul sec, cul sec, cul sec, on a dit. Cul sec, allez, vas-y. Mais frérot, t'as bu une chope, tu commences déjà à parler en parallépipède là. Calme-toi, putain, il fait nuit en plus. Hop là, ouais, bon, ça. Alors, le but ici, quand on est sur un avant-poste comme ça, c'est soit d'aller directement à notre bateau, ou. On va essayer de. Allez, on va essayer de descendre tranquillement. Oh là, ouais, vas-y, par là. On va peut-être prendre de. Putain, on n'a pas l'appel. Alors, on va peut-être prendre la lampe, parce que bon, si on commence à... Oh, shit, traviole, ça, on va le faire. Ouais, on revient par ici, José, là. Ouais, mais que raconte quoi, lui. Oh, putain, la piraterie, elle est jamais finie. Du coup, il y a des commerçants qui... Enfin, des commerçants... comment on appelle ça? Des shops. Moi, je vais appeler ça des shops. Et ils peuvent nous donner des missions, à savoir, ici, on m'a donné... j'ai que dalle, faut que j'aille sur le bateau. Je vais vous montrer ça. Alors, je vais pas... Mais non, moi, c'est pas directement ici que je voulais aller. Mais si, ça peut nous servir. Ici, on a des tonneaux, des fûts, des machins. On peut prendre. Moi, je vais prendre des boulets de canon. Je vais en prendre au maximum. On a quoi? Des planches. Allez. Je peux plus prendre de planches. Ce qu'il nous faut, c'est des bananes. Parce que les bananes, c'est quand même ce qui nous rend la banane. Hein, littéralement. Littéralement, c'est ça. Littéralement, quand on est attaqué... Bah pour se redonner de la vie, il faut manger de la banane. Et ça, c'est quelque chose qui compte énormément dans le jeu. N'oubliez pas ça, les amis. C'est quand même assez, assez dingue hein, de le rappeler, mais il faut le faire. Du coup, moi, je suis sorti d'où? Je suis sorti d'où? Non, j'étais pas sorti d'ici. Bref, le jour se commence à se lever. Ouais,
Ouais, d'accord. Le jour se commence à se lever. Non, mais sérieusement, le jour se lève, donc il va vraiment falloir y aller, parce que moi, j'ai pas envie de naviguer la nuit. Bon, après, ça n'engage rien, hein. La nuit ou le jour, c'est la même chose. Ok, bon, je suis perdu, je suis littéralement perdu. Ouais, ça fait deux fois que je dis littéralement dans la vidéo. On va nager, le plus simplement possible du monde. L'eau est super bien faite, les levers, couchers de soleil sont super bien faits. C'est vraiment un régal. Alors moi je joue avec la Xbox One, première du nom, hein, la première édition de la Xbox. Donc je n'ai pas la Xbox One X qui permet de... Ah, des bananes. Merci. Qui permet de... Ah bah ils sont là les shops, bah ça tombe bien. Qui permet de jouer en 4K par exemple. J'ai un téléviseur 4K, j'ai un écran 4K, mais je n'ai pas de Xbox 4K. Donc je ne saurais pas vous dire que vaut le jeu ou que vaut les autres jeux Xbox en 4K. Alors j'ai beaucoup 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 de messages des gens qui me disent d'Alcaï, on te voit souvent sur PC ou sur la concurrente, mais c'est rare que tu sois sur Xbox. Bah en fait j'ai ma manette qui déconne, donc à chaque fois je suis obligé de l'installer filairement, parce que si j'enlève le fil de la manette, ça bug. Et la configuration dans laquelle je fais mes lives ne me permet pas forcément de toujours jouer avec le cordon branché, parce que c'est assez loin en fait. Les consoles sont assez loin du setup pour pas justement qu'il y ait ce bruit de ventilo, même si on l'entend quand même assez parfois fortement. Mais c'est le ventilo du PC ou le ventilo. Je ne sais pas, franchement, j'ai aucune idée. Voilà, c'est lui, c'est Herbert le collectionneur. Herbert, lui, il peut nous vendre. Alors normalement, je peux rien acheter. Ah si, je peux tout acheter. Pourquoi? Je ne sais pas. Je vais quand même aller sur mon sloop. Je vais aller sur mon sloop. On va aller voir. Parce que normalement, j'ai déjà acheté des quêtes. Ouais, tombe pas, tombe pas. Hop, on va descendre en bas. Ici. Ouais, j'ai deux voyages. J'ai Pitoyable Bucobets et Andy Burt. J'en ai que deux. Vas-y, on va proposer celui-ci. Du coup, il faut voter pour celui-là. Alors, une fois que vous votez pour votre quête au trésor, vous allez voir. C'est assez intuitif, hein, vous allez voir. Et on va normalement recevoir ici une carte. Voilà, on a la carte. On regarde l'île. Vous voyez l'île? Et pas l'île dans le sac neuf, hein, rien à voir. Donc. Ouais, carte débloquée, carte découverte, ok. Donc, maintenant, ce rocher, enfin cette île, retenez-le bien. Il faut le trouver ici. Mais bon, voilà. C'est pas celui-là. Il faut trouver cette île ici, quelque part. Oh, peut-être ça. Non, clairement pas. Attendez, on va se le remémorer. Ouais, ça fait une sorte de cœur en fait. Mais pas de cœur les mottes, hein, le cœur humain. Toi-même tu sais. Donc faut trouver une île qui ressemble à un cœur. Non. Mais parfois elles sont tellement petites les îles, les gars. Faut pas hésiter. Ah. Est-ce que ce serait pas ça? Est-ce que ce serait pas ça? Écoutez. Dans le doute, je mets un truc. Mais pour moi... Non, parce que c'est cassé en haut à droite. Ok. Donc c'est pas ça. Je suis sûr, on l'a peut-être passé, hein. Et on fait pas attention, hein. Souvent, les quêtes, elles sont pas forcément très loin de là où tu te trouves au début. Ah, c'est là! Oh! Oh oui, c'est celle-là. On est où, nous? Donc, oh! Pff, bah! Tout droit, tout droit, tout droit, tout droit. Hop, ce qu'on va faire, au cas où qu'on se fasse attaquer. On va charger les canons. On va le mettre... Bon, on s'en fout, de toute façon, à la direction, mais on va bien le tourner. On va charger notre canon. Voilà. Ce qu'on peut faire, c'est ce qu'on a ramassé sur l'île, le déposer ici, tout simplement. Voilà, on va déposer les planches.
On va se faire un petit stock en fait. J'ai encore des boulets de canon. Il me semble que c'était là-haut à gauche, droite, je sais plus. Boulets de canon. On va se les déposer ici. On va se faire un petit stock tranquillou. Et on va... Pouf, fail. Ah franchement, je kiffe ce jeu. C'est un truc de fou. C'est pas grand chose. Mais c'est un jeu... C'est un jeu qui prête à l'amusement. Alors, je pense que vous avez peut-être regardé des lives, que ce soit sur Twitch, YouTube, Mixer, peu importe la plateforme. Des lives de gens qui jouent en groupe. Et c'est vraiment, vraiment des bananes, j'en ai. Hein. Là, c'est vite, ça c'est quoi? Boulet de canon, on en a deux. Mais on se fait le plein, tout simplement. On en aura besoin, on en aura réellement besoin. Ici, c'est pareil, hein, ça vend des trucs, mais je crois que j'ai pas le level. Salut, frérot. Ou frérotte. Et je crois que j'ai pas le... Ah, oui, j'ai le level. J'ai le level. Bon, ça, c'est des quêtes... En fait, ça dépend des quêtes, parce qu'on a, différents niveaux. On a les collectionneurs d'or, c'est là où on a pris. On a les ordres des âmes, c'est autre chose. Et les alliances des marchands. Et il me semble que en bleu, c'est l'alliance des marchands. Et là, c'est... je sais pas, lui, ce qu'il nous propose des trucs. Qu'est-ce que c'est, là-dedans? Oh, boulet de canon. Je te les prends, hein, au calmos. Qu'est-ce qu'elle vend? Ah non, elle vend des... Oh, des trucs de bateau. C'est beau, ça. C'est cher, par contre, madame. Il va falloir que je repille des trésors. Qu'est-ce que c'est? Vas-y, boulet de canon. Ce qu'il nous faudrait, c'est des planches. Parce que, bon, vu qu'on est tout seul, on a de fortes chances... De se faire attaquer. Bon, on en a quelques-unes. On va y aller. On va y aller. On perd pas le temps. Et nous, il fallait qu'on parte tout droit. C'est ça. Hein. On va aller chercher notre premier trésor ensemble. J'en ai encore jamais fait en solo. Hein. Jamais, 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 au grand jamais. Bon. On va quand même essayer. Bon, quand on est tout seul, c'est chaud. Hein, parce qu'il faut tout gérer, les frérots. Il faut gérer jeter l'ancre, il faut gérer lever l'ancre, il faut gérer la voile. Parce qu'il faut tout gérer dans le jeu pour avancer. Ben oui, c'est un vrai jeu de bateau, c'est un jeu de pirate. Et ça, c'est pas des conneries. Alors, le truc, c'est qu'on est sur des serveurs. Je ne sais pas d'exactement combien. J'ai entendu 50 milliards de versions. On est entre 16 et 32 joueurs, à peu près. Voilà. Donc, à savoir qu'on peut tomber sur des bateaux adverses. C'est un jeu de pirate, hein, donc bien évidemment, les gens ne vont pas dire hey, Dalkai, welcome my friendly, do you have a banana? Ah non, les mecs ils vont te défoncer, eux pour eux, t'as un trésor dans ton bateau, donc eux le veulent, parce qu'ils en ont pas forcément quelque chose, ils ont pas forcément envie d'aller chercher sur les cartes et tout, il y en a, c'est leur but, hein, c'est de la piraterie, les gars, c'est ça qui est bueno. Franchement, faudrait vraiment que je trouve quelqu'un avec qui jouer. J'ai vu que Fufu, Dark Funeral, y jouait. B-Boy aussi y jouait. Je ne sais pas, un de ces quatre, pourquoi pas faire une petite game avec eux. Ça pourrait être sympatoche. Ouais, Dalkai, il emploie le mot sympatoche en 2018, le 23 mars 2018, le moment du record de la vidéo. Ouais, sympatoche. Il y a Eyar aussi qui joue, j'ai vu. Il y a pas mal de gens qui jouent, mais bon, ils sont déjà à un level assez, assez élevé, donc je ne sais pas s'ils voudront d'un nous. Donc là, ce qu'il faut faire pour aller encore plus vite, faut... Voilà, déployer la voile au grand max. Il faut tourner sa voile vers le vent. Pour qu'on puisse quand même... C'est pas de l'autre sens. Peut-être que j'ai de la merde. Hein. Non, c'est ça. À tribord, à bâbord. Bah ouais, on dit pas à droite, à gauche dans les bateaux, les gars. Bon, du coup, là, ça s'assombrit. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un orage. Pardon. Voilà, ça arrive. Il y a un orage là-bas. On va voir si on se dirige vers notre point. Ah, c'est tout à notre gauche, tout à notre gauche, tout à notre gauche, gauche, gauche. Notre bâbord, notre tribord, notre sextubord, je ne sais pas. Donc, ça doit être l'île qui est là-bas. Ça doit être celle-ci. Je ne sais pas. J'ai des doutes. Du coup, on va quand même... Ouais. On va remettre la voile en face vent. Ça va peut-être un peu nous ralentir. On va la relever un peu. J'ai un peu du mal à voir. On va regarder notre trajectoire. Eh, tout seul, c'est chiot. Tout seul, c'est chaud. Ouais, c'est celle-là, pile poil devant nous. On n'est pas con, hein. On peut être marin. Hein. Surtout, tombe pas dans l'eau, parce que là, c'est un peu merde. Donc, ce serait celle-là.
On est à Barnacle Cave. On va s'en approcher le plus possible. On va pas aller. Oh, regardez-moi l'effet de l'eau. Regardez-moi cette beauté. Alors l'eau, elle est un peu pas très claire, tout simplement parce qu'il n'y a pas beaucoup de soleil, il y a beaucoup de nuages. Mais quand on passe dans des endroits où il y a du soleil, les couchers de soleil. J'espère qu'on va en voir. Hein. Non, ce serait pas ça. C'est trop petit, non? Bon, écoutez, moi je propose qu'on jette l'ancre. Alors attention, l'ancre. L'ancre, c'est un frein à mal, bail. Calme-toi. Oula, oula, oula. Oh, un truc pirate. Oh, un truc pirate. C'est là-bas, il faut y aller, mais tout seul, c'est chaud. On va regarder sur la map. Inch, on est au bon endroit, parce que bon... apparemment, ouais. Hein. Quand on regarde... ouais, apparemment, ouais. Parce que si on regarde notre carte... Ok, sur la plage abandonnée. Ok, je suis un peu loin quand même. Hein. On va s'en approcher, non? Bon, moi j'ai peur, c'est des requins quand même. Les requins. J'ai pas dit des requins, les requins, parce que j'ai petit accent blédard, tu vois, les requins. Tourne à droite. Belkaï, fais quelque chose. Fais quelque chose. Avec ta voile. Bon, c'est l'île qui est dans notre dos. Bon, faut pas se barrer, quoi. On le voit plus? Ah, j'ai fait une connerie. Non, c'est bon. Non, faut juste revenir dessus. Alors, moi, c'est ma plus grande hantise, les gars, c'est les bateaux ennemis. Hein. C'est un truc de fou. Parce que tout seul, tu veux que je fasse quoi? À part fuir? Et je crois qu'en plus, on est pile poil au niveau de la plage, hein, si je dis pas de bêtises. Je manœuvre bien ou quoi, les gars? Bien ou bien? Aïe, c'est lourd. Allez, peut-être notre premier trésor ensemble. Allez, on va larguer les amarres. Largage d'encre, maintenant. Allez! Oh, sa mère. On est bien. Franchement, on est bien. Oula, on est bien. Alors, il faut trouver le rocher du bout. Ne serait-ce pas celui-ci? Oui, c'est celui-là. Ça, c'est le rocher du bout. Donc, notre trésor, il est à gauche. C'est quoi ça? Des bananes. Alors, je regarde juste un truc, parce que j'ai entendu un camion, c'est peut-être un livreur. Ouais, je sais, c'est chiant. Mais bon, les livreurs, sinon, ils se cassent. Hein. Non, on est plus tranquille avec les livreurs, c'est un truc de dingue. Hein. Je sais pas si vous aussi... Alors, parce que les mecs ils disent, ouais, on est passé, on a sonné, on est de ta mère et tout. Mais non, en vérité, non. Est-ce qu'on est au bon endroit? Non, Dalkali, on n'est pas au bon endroit. En tout cas, on est sur l'île. Mais je crois ici, on est au nord. Hein. On va descendre vers le sud de l'île. On n'a pas une boussole. Bon, il faut aller au sud de l'île. Donc, ouais, le sud, c'est par là. Donc ici, c'est le fameux... Ah, moi, je suis nul en trésor. Ici, c'est le fameux rocher du bout. Donc, c'est ici à gauche. Ici, quelque part. Moi, je dirais là. Tu vois pourquoi je le sens bien. Là. Putain, mais je suis nul en trésor. C'est un truc de fou. Mais est-ce que c'est ça, au moins, le rocher? Est-ce que ça y ressemble? Ah ouais, parce que là t'es censé avoir un autre rocher. En fait c'est juste en face du chemin, entre les deux arbres. Il y a un chemin ici. Mais non, il n'y a pas de chemin. Mais si, il y a un chemin. C'est quoi ce merdier? Oh, c'est à l'extrême gauche du chemin, c'est là. Ah, il est là le chemin. Mais il l'aurait pas enterré ici sur le sable. Il est pas con. Il est con. Attendez, il y a une pierre, là.
Ouais, c'est cette pierre-là, je suis sûr, c'est ça. Donc il y a un chemin. Et dans ce chemin, un petit peu excentré, ouais, c'est là, c'est là, c'est là. Cherchez pas, les gars, c'est là. Mais où exactement? J'en sais rien. Oh! Hi-ha! Du premier coup! Mon premier trésor! Oh, mon précieux! D'été à moi, mon précieux! Oh putain, je suis content, hein. Oh là là là. Oh, coffre de naufragés. Je le ramasse. Oh putain, on se casse, on se casse, on se casse, on se casse. C'est un jeu de pirate, on peut se faire voler, les gars. Moi, je vous le dis, il n'y a pas de mystère, faut se barrer. Hein. Donc là, maintenant, oh là là, mon premier trésor dans ce jeu. Autant dans la bêta et l'alpha, j'en ai jamais fait. Oula, l'orage s'approche. Hein, El famoso problema commence. Hein. Donc là, il faut charger votre trésor. Ben, dans votre bateau, hein, le mieux, c'est ça. Le poser. Ensuite, trouver un avant-poste. Il faut trouver un avant-poste. Bah, de là où je viens, c'est le plus simple. Hein. Donc, faut que je fasse plein sud de... Enfin, à l'arrière de moi, donc c'est là-bas derrière. Ok. Donc là, il faut... Oh putain, il y a l'orage. Là, faut lever l'ancre et se barrer vite fait. Mais vous pouvez vous faire voler votre trésor, c'est ça le problème. C'est ça tout l'enjeu du jeu. C'est ça que je vous dis que c'est vraiment bueno. Même solo, on s'éclate. Alors imaginons en groupe, j'ai dit en couple, carrément. D'accueillir. Ouais, en couple aussi. Non, mais franchement, on est solo, les gars. Et franchement, on s'éclate. Moi, je m'éclate. Je m'éclate en solo, c'est un truc de fou. Donc, c'est par là-bas, hein. Faut prendre le sens du vent. Donc oui, votre bateau peut être endommagé, hein, si vous prenez des boulets de canon ennemis, si vous rentrez dans les bords, si je sais pas moi, vous prenez une vague dans une tempête comme là-bas. Ah ouais, mais là ça va être dur. Hein. Allez, on va check vite fait. Alors quand vous êtes à plusieurs, c'est bien meilleur. Ouais, c'est bon, c'est du tout droit. Il y a un mec qui peut monter à la vigie. Il y a une vigie là-haut, là. Enfin, moi, j'appelle ça une vigie, mais je pense que ça doit s'appeler comme ça aussi dans la piraterie. Vous avez une cloche, ici. Que vous pouvez... Oula! Mon bateau fait des tubes tourbés. Non! Faut pas se noyer, Dalkaï, s'il te plaît. Je crois que j'ai cassé un truc. Je vais tout casser. C'est incroyable. Comment je suis venu. Donc là, il faut quand même faire un petit tour. Une fois que vous avez entendu ce genre de bruit, descendez. Voilà. Donc là, j'ai tout cassé. J'ai tout cassé. Attendez. Attendez, 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 attendez. Putain, j'ai tout pété, sa mère. Oh non, je vais mourir avec mon coffre, putain. Là, c'est plus simple, c'est ça. C'est jeter l'ancre. Oh non, non, faut pas que je casse tout. Faut pas que je casse tout, faut que je prenne des planches. Hein. Mais putain, prends des planches! Prends-en 50 s'il faut! Non, j'ai pété mon coffre. Non, mon coffre, s'il te plaît, Seigneur. Vite, vite, mon bateau! Faut pas que je coule, faut pas que je coule, sa mère. Hein, j'ai mon premier trésor. Je sais pas où je suis. Il faut que je sorte de la tête de l'eau. Ah, c'est trop tard. C'est trop tard, je suis en train de sombrer avec mon coffre. Non! Oh mon dieu. Mon bateau. Putain. Donardo de Capartio. Pourquoi t'es rentré dans ce bateau? Il coule à pic, hein. Je m'en fous, le pirate mourra avec son coffre. Mon coffre! Oh, je peux le récupérer peut-être. Vous pensez? C'était de l'argent. Il est où? Il est là, il est là.
Non, tu vas pas mourir. Non, tu vas pas mourir. Vas-y, dépêche, remonte à la surface. T'inquiète, tu vas y arriver. Tu peux y arriver, mon frérot. Tu peux y arriver, frérot. T'inquiète, il reste pas beaucoup. Si j'y vais. Si je vais à la sirène avec mon coffre. J'ai mon coffre, hein, là. Donc, normalement, tu vois. Oh, 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 oh. Ah, il a lâché, je crois. Imbécile que je suis. C'est dommage, franchement, c'est dommage. Mon premier trésor que je trouve, parce que j'avais fait 2-3 cartes, pas de trésor. Là, je trouve un trésor, je canne. Bon, à un moment donné, la malchance est présente, la malchance est avec nous. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est comme ça, c'est la vie, tu vois. Bon. Sur ce, les amis, on va attendre le ripop, on va voir si j'ai mon coffre. Moi, je pense pas. Hein, ça m'étonnerait, voilà, bah ouais. Et du coup, j'ai toujours mes bananes, j'ai tout, je tout. Il pleut. Si je vais sur mon bateau. En tout cas, la tempête est bien présente. Hein. Je sais pas où il est mon bateau déjà. Je crois qu'il est dans le coin ou pas dans le coin, j'en sais rien du tout. Ah, il est là. On va regarder ce qu'il nous reste comme quête du coup. Alors, on repop à des avant-postes aléatoirement. On repop pas forcément là où on était. Là, on a un peu de chance avec nous. Mais c'est vraiment aléatoire. Hein. Hop là. On va voir ce qu'on a comme quête du coup. Est-ce qu'on l'a perdu définitivement? Ah, on peut le refaire. On peut le refaire. Du coup, c'est quoi? Ah non, c'est une autre. Une autre île. Ah bah oui. Ah bah oui, forcément. Bon, les amis, on va se laisser ici. En tout cas, moi, j'espère que cette petite vidéo découverte vous aura plu. Moi, ça m'a fait super plaisir. Merci, Xbox France, de m'avoir offert le jeu. Alors, j'ai fait cette vidéo en toute objectivité. Hein. Vous le savez, vous me connaissez. Si le jeu est pas bon, bah, je demande pas le jeu, tout simplement. Il y a plein de jeux qu'on me propose de faire ou qu'on m'envoie un mail en me disant d'Alcaïs que tu voudrais faire une vidéo sur ce jeu. Je regarde un petit trailer, je regarde un peu ce que j'en pense. Si j'aime pas, bah, je fais pas. Donc là, j'aime bien, donc je fais. Voilà, j'avais été conquis par la bêta. Donc ça m'a fait super plaisir. Un maximum de pouces en l'air, comme on dit dans le jargon, dans le milieu. Hein, milieu, le famoso YouTube Calmano, El Cantador de la Cabeza. Ouais, je sais, je parle espagnol aussi de temps à autre. Bref, c'était d'Alcaï. À bientôt. Ciao. Peace.